Bien épuisé ce vendredi soir, je m'arrête une heure pour boire un whisky un peu trop tourbé. Au bar, lumière tamisée, v'là qu'on m'accoste, c'est mon lieutenant qui me dit « Chef, on a un mort pas marrant ». Alors moi, pas le choix, comme un seul homme, je me lève et j'y dis d'un air là, pour les braves, pas de trêve. Le devoir m'appelle. Rendu sur les lieux du trépas, je demande à voir le Maccabée. Patron, ça va être compliqué. Parce que, pourquoi montrez-moi ça? Effectivement, c'est une affaire sérieuse. Si c'est le corps, mon vieux, c'est du grand art. Ça m'évoque plutôt un crumble d'épinards saupoudré de cannelle flambé à la chartreuse. Eh oh, le légiste, t'en dis quoi? Ben, patron, sale affaire, comme dirait l'autre. Notre victime, pour commencer, a été droguée au curare et puis lestement assommée avant quelques coups de poignard. 234, pour être précis. Puis le bourreau, je suis formel, un gars vintage et passéiste, l'a pendu avec ses bretelles, une piñata de spécialiste. Attendez, patron, c'est pas fini. Pour s'assurer sans un retard que sa victime était calmée, l'auteur du crime a complété sa recette par un tartare. Coupé à la scie circulaire, modèle B12 de chez Dexter. La pauvre fut sans aucun doute dans de l'acide alors dissoute. Enfin lassée de trop attendre, on l'a fait brûler à l'essence. On finit par passer les cendres dans un mixeur. Bah c'est comme pour la pâte à crêpes, les grumeaux. Dans un mixeur haute puissance. Vous parvenez à déduire cela, juste à la vue de cette poudre grise, preuve pulvérulente du trépas. Je salue là votre admirable maîtrise. J'ai un légiste formidable qui tôt passera inspecteur, mais cela ne dit pas quelle heure. Fut celle du crime effroyable. L'enquête pataugeait sévère. On désespérait quand soudain j'avise un gars patibulaire portant par-dessus bleu marin. Avouez-le, c'est vous? Bien sûr que non! Ne niez pas, le mobile est béton. Et vous êtes chercheur en chimie bouchère, formation idéale pour dissoudre les chairs. Morbleu, me voilà confondu, mon commissaire, je m'incline devant une telle discipline. Vous êtes aux enquêtes rompues. Oui, je l'ai drogué, assommé, poignardé, pendu, découpé, dissoute, brûlé, mixé. Mais commissaire, je l'aimais. Mais oui, pauvre quidam. Les gens souvent aiment leur femme. Mais la différence avec toi, c'est qu'ils la gardent en bon état. Ne te compare pas à moi, minable, car je suis flic et toi maintenant coupable. Tu passeras ta vie en prison et sans rien. On finit par tout perdre à faire le malin. Mais comment m'avez-vous confondu, commissaire? Tu as commis une erreur. En repassant sur les lieux du crime pour admirer ton forfait et notre embarras, tu as gardé ton pardessus bleu gagné sur Radio Nostalgie. C'est lui qui t'a trahi. En plus du fait que seul un amoureux fétichiste de la musique des années 80 pouvait utiliser des bretelles. Encore une fois, le crime a trépassé devant le commissaire. Ma perspicacité
aura toujours raison de l'esprit tordu des tarés tueurs. Bien épuisé ce samedi soir, je rentre tard, besoin de boire, ultra fumé ce bon whisky, rapidement l'ivresse suit de cheminée. Flic vraiment, voyez-vous, c'est pas marrant, ça vous bousille votre âme d'enfant. Moi qui voulais, gamin, être danseuse étoile, le crime et les malfrats m'ont abîmé les voiles. Alors ce soir, je suis plus là pour personne. Je me bourre la gueule, j'enfile mon tutu et je pleure.